S'il vous plaît. Si à Reims, la culture française est reconnue et même encouragée par le biais du champagne, par exemple. Non mais moins long l'intro, Stéphane, moins long. Putain, mais tu veux que je fasse comment? Oui, là, d'accord. Putain, mec, c'est la dernière, allez, vas-y, mais donne-toi. Mais je panique, je panique. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Secrets d'Histoire consacré à la ville de Reims. Sous ce beau soleil de champagne, le temps est idéal pour mettre mes petites lunettes swagantes. Pour commencer cette visite, je vous invite au palais du Dau, où ici ont lieu moult aperlos. Venez! Il est incroyable de voir ici toutes ces œuvres d'art, émouvantes, magnifiques, historiques, sublimes, beaux gosses. Oh ! Mais reprenons plutôt notre visite. Devant toutes ces statues, je ne pouvais peut-être qu'impressionner par toute cette grandeur. Oh là là ! Et là, je me retrouve pantois devant cette représentation d'un gobe queue, comme à l'époque où l'archevêque y mettait son pénis. On y voit encore des traces d'usure dans la gueule. Nous voici à présent devant un monticule de merde. Monticule de merde qui représente de la merde. Voilà. Peut-être ce que ce collier est en forme de tête de Mickey, ou de cul, que sais-je encore. Peut-être un fion, je ne sais pas, des seins peut-être. Je suis très dans l'expectative. Casse-toi, caméraman. Ces chiottes royales sont vraiment magnifiques, avec cette bure à côté. Oh, et les serviettes de bain du souverain. Ouh là là, ces serviettes brodées d'or, je me demande combien elles coûtent, avec beaucoup d'argent et d'or. Je vais maintenant vous présenter la salle du Dau. Suivez-moi. Oula. C'est ici, dans cette salle, qu'il y avait moult festins, notamment avec les gourgandines du quartier chaud de Reims. Quartier chaud dans lequel se rendait très régulièrement l'archevêque de Reims, Victor Perlot, premier du nom. Je ne peux m'empêcher de m'imaginer tout ce qui a pu se passer ici, dans cette salle. Tous les interdits qui ont été bravés par ce salopion. Oh, mais regardez-moi cette gueule de cul. Et nous aussi, dans la salle représentant Louis XVI, dit le gros. Il avait un embonpoint qui saute aux yeux. Amateur du fast-food, notamment du sacré burger, il pouvait, dit-on, manger son poids en hamburgers. Tout ce poids sur la tête du souverain devait être quand même très marrant à voir. Je me retrouve dans le corps de Louis XV quand il était petit, qu'il se faisait toucher le prépuce par son père, le roi Louis XIV. Je suis fier ici de vous montrer une représentation de Théodoric Ier, roi des Mamadouzes, qui, selon la coutume, tenait son chibre d'une main fièrement devant l'ennemi. Et c'est ainsi que je termine cette visite du palais du Dau. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Voilà.
C'est pas compliqué. Ah non, mais ça suffit, monsieur. Ça suffit. Mais je n'ai rien. On ne bat pas l'autre de son autre. Silence. Non, ma personne est sacrée. Ma personne est sacrée. Je vais. Ne me poussez pas, monsieur. Ne me poussez pas. Je vous pousse. Je. Non, ne me je poussez vous pas. Pousse. Ne me poussez pas. Je suis la République. C'est moi. C'est moi la République. Mais c'est ton cœur, monsieur. Attends, je vais te mettre une méga baffe, enculé. Oh. Eh bien, tiens, je te la rends. Oh. Allez, sur mes fesses maintenant. Mais que va dire la voisine? La voisine va déposer plainte. C'est ça, m'en soupeux à la gendarmerie. Une petite main courante. Oh, une grosse plainte. Bienvenue sur Europe Sex. Arrête de tirer dessus. Maintenant, une heure de ASMR avec Maxime. Il se retrouve pour dire des cochonneries. Des cochonneries sales. Avec l'accent belge. L'accent belge. Bien raciste. Celui que vous aimez. Je sais que cela vous excite. Tout comme cela m'excite. Peut-être saturge. Mais je saturge avec amour. Et c'est ça qui est le plus important. L'amour.